fauteuil, descendre, reprendre la position, ramener. C'est bon ? Okay. Quand on va accélérer, ça va donner ce mouvement là. Ok ? C'est le même mouvement. Hein. Hein, j'ai brillé la tête de la même manière, j'ai mis en porte-à-faux sur la fin, hein, et j'ai terminé. Ça va ? Donc l'erreur, puisque le mouvement ne peut pas être parfait le premier jour, forcément, à chaque niveau de votre pratique, il y a des erreurs qui vont être bénéfiques. Mais c'est quand même des erreurs. C'est pas dire, c'est pas parce qu'on va cumuler toutes les erreurs qu'un jour le mouvement sera parfait. Okay ? À un moment, on va supprimer l'erreur, parce qu'on n'en a plus besoin, ce ne sera plus une erreur, dans la mesure où on sera placé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est parce que je suis mal placé qu'à un moment je sens que ça tire, donc bon j'ai tiré, je vais tirer, mais bon après je dis pas pourquoi je bouge pas un peu plus, etc. Hein? Et puis après on va aller vite, puis un jour on se dit mais tiens, finalement sans me presser je vais aussi vite. Hein? Et à ce moment-là c'est plus une erreur. Donc à chaque moment de votre pratique, il y a forcément des erreurs. L'erreur va nourrir votre progression, d'accord? Le seul problème c'est qu'on ne persiste pas après une fois qu'on l'a réussi. Donc quand on a construit avec ce bras-là, et c'est logique qu'on construit avec ce bras-là au départ, hein. C'est logique qu'on construit avec ce bras puisque c'est celui qu'on voit, d'accord, hein. Celui-là, on ne voit pas, on ne sait pas ce qu'il fait, on n'a pas la sensation. Donc, on construit, bam, on construit là, on construit dans le kyo, on construit dans le katado de Nihonchi, hein, c'est la même construction, hein. C'est pas ça, hein. C'est la même, hein. La même construction. Katate no te dori, ou demain, vous voyez, c'est la même construction. Donc, on acquiert une certaine puissance qui est propre à ce qu'on fait, une certaine crédibilité, qui par exemple sur Shomenichi pourrait être d'un seul coup. La crédibilité, vous l'avez, ça marche. Ok. Quand vous l'avez, il faut qu'elle vous serve à quelque chose en Aïkido, puisqu'on n'est pas là pour détruire, on est là pour faire un mouvement d'apaisement, entre guillemets. Donc c'est à ce moment-là que la crédibilité, elle ne fonctionne que si vous ouvrez une porte au partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Sans ça, c'est plus de la crédibilité, c'est du terrassement. Et qui bouge, attention, hein. C'est pas ça, quoi. On lui laisse faire ce qu'on est parti sur. Ah, y a beaucoup de... Alors, on est parti sur un mouvement assez haut, vous voyez. Ici, vous avez vraiment un point qui est crucial pour lui. Soit je m'arrête, hein, et puis je suis ralenti. Soit à un moment, je lui donne plus de liberté avec cette main. Donc, ce bras, vous allez voir, il va être toujours présent, parce que je descends. En fait, je vais amener sa tête devant moi, avec la main. Le bras sera toujours là. N'importe quand, bam, il peut descendre. Mais je m'en sers pas. C'est mon fusil à deux coups, si vous préférez. Ok ? Sanction, rémission. Ok ? Ça va ? C'est bon mouvement, il prend une forme. Yeah ! Ouais, mais je m'en sers pas. Si je veux m'en servir, je m'en sers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne me condamne pas dès le départ à ce mouvement-là. Là, on a des mouvements. Ok, il y a un mouvement un peu par là. Par contre, on va descendre un peu plus. Okay. On va descendre un peu plus. Descendre. Et reprendre la position de l'autre côté. Entrer. Descendre. Et reprendre la position, c'est-à-dire entrer, descend, il est là, il va vraisemblablement se relever par là, hein, un petit peu avant lui, hop, et on l'accueille, et c'est terminé, et on retrouve la même forme, tout doucement, et je vais entrer, ici, je vais déséquilibrer, stop, un instant, vous voyez, il choisit le côté qu'il veut en fait, hein. Si vous voulez de l'autre côté, voilà. Okay. Donc, ça. Maintenant, quand il va se relever, je vais retrouver la position qu'on vient de travailler. Je vais me libérer. Ça marche ? Allez, Irimi-nage. Allez, allez, je vous laisse travailler. Merci. Changez de partenaire, s'il vous plaît.